Bonjour à tous les cafardinos, bienvenue encore dans cet ultime et dernier débrief de ce Major PGL Stockholm 2021 qui a tenu toutes ses promesses. J'ai été pleinement satisfait du spectacle que j'ai vu, que ce soit dans la phase de Challenger, de Legend Stage ou même des Playoffs et désormais cette finale qui a, je pense, ravi tous les fans de CS. C'était un match de folie, plein d'adrénaline, le public était fou, record absolu atteint de la part de Counter-Strike. 2 600 000 viewers, voilà, sur le match. Faut savoir que le précédent Major, c'était vraiment bien moins que ça. On a même plus que doublé en réalité les statistiques. Donc CSGO n'est absolument pas mort. J'espère que ça va redonner vie à ce jeu. J'espère que ça va donner envie à plein de gens de découvrir le jeu et à s'impliquer surtout plus sérieusement dans cet écosystème. Et que Valve va se réveiller, parce que j'espère aussi que, entre guillemets, la communauté, le viewership, les gens sur place ont montré un petit peu tout l'amour qu'il y avait pour ce jeu. Parce que je trouve quand même que Valve délaisse énormément son bébé et ça m'attriste vraiment beaucoup. Dans la description, les amis, je vais vous mettre un petit giveaway parce qu'il me reste pas mal de codes Skin Baron. Je vais regarder ça tout de suite d'ailleurs, combien j'en ai pour vous dire. Il me reste 45 euros de code, donc 9 personnes seront tirées et gagneront donc un code chacun d'une valeur de 5 euros sur Skin Baron. Vous l'avez dans la description et en top commentaire épinglé. Venez me montrer votre amour. Débriefons désormais cette finale emblématique qui couronne enfin, voilà, la malédiction a été rompue et enfin battue de la part du meilleur des Russes, mais en fait il est ukrainien, Monsieur Simple, le MVP de ce Major, le meilleur joueur de cette année et le GOAT. C'est fini, il n'y a plus aucune contestation possible, plus aucun doute, c'était la case qui lui manquait à cocher pour, entre guillemets, pouvoir espérer acquérir ce titre, même si c'est un jeu collectif, etc. On aime bien les stats, on aime bien dire qui est le meilleur, etc. Je pense que Simple prouve désormais qu'il est le meilleur joueur de tous les temps. Même si dans cette finale, en tout cas, on va pas se le cacher, électronique pour moi a été un élément clé, il est phénoménal. Il a toujours vécu dans l'ombre de Simple, extrêmement humble. Il a fait 12 entrées kill sur la deuxième carte qui allait en overtime. C'était une folie absolument monumentale. Première carte, pique de G2 ancien. Bon pari de leur part, mais une maîtrise, une domination plutôt maîtrisée de la part de Navi qui s'empare de cette première carte 16 à 11 plutôt facilement. Je trouve qu'il y a eu deux rounds clés que G2 ont perdu qui a fait extrêmement mal. Ils ont essayé de changer de rythme et de lancer un petit peu des rounds spécifiques, ce que j'appelle des rounds spécifiques, pour essayer justement de faire mal à l'adversaire. Sauf que Navi, on le sait, c'est une équipe très lente, c'est une équipe solide sur ses appuis qui est, je pense, la meilleure équipe du monde et même de tous les temps, en fait, à pouvoir anti-rush et à pouvoir anticiper un petit peu, à contenir les phases d'agression. C'est une des meilleures équipes au monde en contrôle map et ça depuis toujours. Et pour le coup, ça n'a pas été payant côté G2. Franchement, individuellement, G2 c'était très très propre mais très irrégulier. Pas tout le monde n'a step up au bon moment et c'est ce qui leur a fait défaut lors de cette finale. On avait Jax qui était par exemple éteint pendant la première map, alors que sur la deuxième map c'est lui qui fait plus de 30 kills et qui porte son équipe. Sans lui, je peux vous garantir que c'était fini. Sur la première map, on avait Nico et Amanek qui étaient très forts, on avait Hunter qui était pas là, et sur la deuxième carte on a Hunter qui est là, mais justement Amanek qui commence un petit peu à se fragiliser. Donc pour le coup, pas tout le monde n'est bon. Collectivement, tactiquement, c'était un peu plus faiblard du côté G2. On sait que ça joue sur l'explosivité, on sait que ça joue sur les exploits individuels et le potentiel mécanique de chacune de ces individualités. Il y a du firepower dans tous les compartiments de jeu. Amanek, Hunter, Jax, Nico, Nexa, ça peut débouler à tout moment et totalement renverser les rounds. Mais franchement, c'est trop dur. C'est trop dur. Navi est la meilleure équipe du monde cette année. Navi est même la meilleure équipe du monde depuis pas mal de temps en réalité. C'est juste que ça fait un petit moment qu'on attendait ça, un Major, pour pouvoir un petit peu bousculer la hiérarchie de Counter-Strike. Et Navi donc est couronné en battant G2 2 à 0 sur une dernière map absolument folle. Folle. G2 vont s'en mordre les doigts, vont faire des cauchemars. Deux finales pour notre ami Nico.
qui sont perdus. La première qui était à Boston, le fameux, je pense, Major dont tout le monde se souvient contre Cloud9 lorsqu'il évoluait chez FaZe. Et là, ça sera contre Navi. Il avait la clé du round, il avait la clé en tout cas, je trouve, de la partie. Il y avait 15 à 12. Et malheureusement, la hitbox de CSGO, le deagle qui est imprécis, il rate un mec de dos en 2v2 et il avait clairement le round pour aller chercher la map et pouvoir potentiellement survivre et avoir un dénouement final sur une troisième carte. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, ce n'est que de l'histoire, nous ne referons pas le match. En tout cas, Navi mérite sa victoire, ils ont été absolument flamboyants. Tout l'événement, je le répète, c'est historique. C'est la première fois qu'une équipe CSGO domine autant lors d'un championnat majeur. Pas une carte perdue lors de toutes leurs confrontations du Major. Ils ont affronté Heroic, numéro 3 mondiaux. Ils ont battu Virtus Pro, qui était en grande forme. Ils ont battu NiP, qui faisait partie des favoris. Ils ont battu Vitality, qui était eux aussi dans les favoris. Faut pas le cacher. Ils ont battu Gambit en demi-finale, qui sont leurs rivaux absolus en Russie sur la scène CIS, mais qui sont également les numéros 2 mondiaux à l'heure actuelle. Et en finale, ils battent G2, qui sont dans le top 5 mondial, qui font une très belle année. Donc ils n'ont pas eu d'adversaire facile. Ils ont absolument battu toute la scène lors de ce Major. Ils n'ont pas perdu une seule carte. Ils ont été dominants individuellement. C'est fantastique ce qu'ils ont réussi à faire. Simple, bien évidemment, est le MVP de ce tournoi. Electronic est trop fort. Mais Beat a eu un rendement absolument extraordinaire tout l'événement. Il a à peine 18 ans. C'est le premier événement. C'est son premier majeur qu'il fait. D'ailleurs, toute l'année, Navi a été couronné plusieurs fois lors de tournois majeurs, notamment aux IEM Cologne, notamment aux IEM Intel Master. Donc, pour le coup, ça fait 3 titres majeurs déjà pour Beat, qui sont les plus gros tournois de l'histoire de CSGO. Avec le majeur désormais. Rendez-vous compte, à peine 18 ans, ce rookie est déjà un cadre de Counter-Strike et de la scène. Boomich, absolument, la relève. Voilà la relève russe qui prend prend les rênes un petit peu, qui arrive à lead des mecs comme Simple, des mecs comme Electronic, qui ont leur ego, qui ont leur caractère, qui ont leur histoire, leur expérience. Et pourtant, un jeune arrive aussi à maîtriser ça. Cette équipe est absolument fantastique, très homogène. Les choix ont été assumés de kicker les anciens, je vous le rappelle. Flamy, cette année, a été mis sur le côté. Et un peu plus tôt, les dernières années, c'était Zeus, Edward et j'en passe. Ils ont renouvelé absolument tout leur roster. Ils ont mélangé l'expérience, bien évidemment, avec le firepower d'Electronic et Simple, qui sont des joueurs absolument fantastiques. Mais également avec la jeunesse, Boomich, Perfecto et Beat. C'est la meilleure équipe de cette année, c'est la meilleure équipe de ces derniers temps sur CSGO, c'est eux qui produisent le meilleur CS, et c'est un jeu qui n'est même pas ennuyant, dans le sens où le collectif et la tactique est là, la gestion du rythme est là, le firepower est là, c'est très spectaculaire, chacun d'entre eux peut débloquer des situations absolument phénoménales, et pour le coup c'est une grande victoire, et je pense que c'est largement mérité. On attendait, c'était les larges favoris bien évidemment de cet événement. D'ailleurs j'ai eu 100% de réussite et de bons pronostics lors de la phase de playoff. 100% de mes pronos sont passés pendant les playoffs. Donc si ça vous intéresse de suivre mes pronos les amis, c'est sur Discord, Twitter et Instagram que je les publie. N'hésitez pas à venir me follow. Voici donc ce Major, moi qui m'a absolument convaincu. Je vais revenir un petit peu sur le parcours. Finaliste côté G2, super positif. Pareil, Mercato qui a été totalement payant avec le kick potentiel de Kenny S pour faire venir du Nico, je vous le rappelle, qui était en partance de chez FaZe cette année. Donc, Bankable, le choix, il les amène en finale de Major. Donc, super productif. De l'autre côté, chez Vitality, c'est plutôt positif aussi. On assure, entre guillemets, d'aller justement en playoff, donc d'avoir l'argent des stickers, de la visibilité, et pour désormais reconstruire sur un nouveau projet avec du 109 et arriver avec, bien évidemment, 3 joueurs francophones qui sont conservés dans ce projet-là, donc tous les slots, Pro League, etc. Donc on va pouvoir, je pense, commencer une année de compétition en 2022 plutôt clean. Il va y avoir énormément de changements sur la scène professionnelle Counter-Strike. Je traiterai toute l'actualité du mercato et des changements de tous les clubs, de toutes les scènes et à tous les tiers de niveau compétitif dans ma chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, lâchez-moi votre meilleure cloche de notification pour me faire énormément plaisir et pour vous revoir le plus assidûment sur mes vidéos. Ça me ferait très plaisir de vous revoir tous.
Faites-moi un tonnerre de commentaires pour parler de ce Major, de votre ressenti, si vous avez été satisfait, pas satisfait, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu. Est-ce que vous êtes d'accord sur le titre de GOAT de Simple, que moi je proclame haut et fort? Pour moi en tout cas il est le meilleur, et c'est le meilleur de tous les temps, même si on a de l'amour et de la nostalgie pour plusieurs joueurs je pense. Je suis persuadé qu'il reste le meilleur joueur de tous les temps de Counter-Strike. Il lui manquait justement cette couronne, et aujourd'hui il est le roi. À très bientôt les amis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.